Alain a trouvé 4 billes qu'il ajoute aux 5 billes qu'il a déjà dans sa poche. Il participe ensuite à une compétition avec ses amis et triple son nombre de billes. Et crée une expression numérique pour modéliser la situation sans faire le calcul. Ce qu'on nous demande ici, c'est de trouver une expression, une écriture mathématique de la situation ici. N'hésite surtout pas à mettre pause sur la vidéo pour chercher de ton côté. On va regarder un petit peu les informations qu'on nous donne dans ce problème. On nous dit qu'au départ, Alain a 5 billes. Il a 5 billes dans sa poche. 5. À ces 5 billes, il va ajouter 4 billes qu'il a trouvées. Donc, le nombre de billes qu'il va avoir après avoir trouvé les 4, ça va être 5 plus 4 billes. Ensuite, on nous dit qu'Alain va participer à une compétition avec ses amis et que, à la fin de la compétition, il va tripler son nombre de billes. Donc ça veut dire que son nombre de billes qu'il avait, donc les 5 qu'il avait au départ plus les 4 qu'il a trouvées, il va le multiplier par 3. Donc ça va faire, entre parenthèses, 5 plus 4 multiplié par 3. Et ça y est, on a trouvé l'expression qu'on cherchait. Cette expression-là, 3 fois entre parenthèses 5 plus 4, décrit la situation qu'on a ici. Et on pourrait faire le calcul, mais on ne nous demande pas de le faire ici. Si jamais on nous le demandait, qu'est-ce qu'on ferait? Mais on commencerait par ce qu'il y a dans la parenthèse, 5 plus 4. 5 plus 4, ça fait combien? C'est ça fait 9. Et 9 fois 3, ça fait combien? Ça fait 27. C'est bien ça. À une prochaine vidéo.